À me rejoindre sur scène, je les vois. Je vais appeler pour le panel les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises. Donc, on va être dans la continuité. Je vais appeler Sarah Haneshi, qui est CEO de Digitalis, consultante experte en transformation digitale. Sarah. Et je vais appeler Monsieur Mohamed Badi, qui est docteur, Chief Digital Officer à l'Université Centrale. Et on va voir un petit peu le retour d'expérience, et tout ça va être bien animé par certaines vidéos, vous allez voir, ça va être très intéressant. Marhaba bikoum. On peut les applaudir, hein, les encourager. Mohamed. Alors, moi je vais rester debout. Merci beaucoup. Tiens, moi je vais rester debout. Je vais commencer par Sarah. Voilà, c'est bien, bonne ambiance. Sarah Haneshi. Sarah, tout simplement, Lyoum, il faut commencer par le commencement. Pourquoi mener une transformation digitale? Eh bien, pourquoi mener une transformation digitale? Parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale, c'est une quatrième révolution, comme on vient de le dire. C'est aussi une révolution qui induit des changements, des mutations majeures au cœur de l'entreprise, au cœur même de ses processus, de sa relation avec ses clients. Donc, ne pas l'adopter, c'est s'exclure de fait sur ses propres marchés et accepter en quelque sorte d'être assimilé par une tendance qu'on ne maîtrise pas. Donc, autant considérer cette transformation, comprendre l'impact de cette transformation sur le modèle business et se préparer à l'adopter par la planification, par le choix de solutions, etc. Donc, c'est primordial aujourd'hui de la considérer, sinon l'entreprise elle va être dépassée, elle va perdre en avantage concurrentiel, en avantage compétitif. Ce n'est plus un choix, mais vraiment c'est une obligation de survie. Je dirais. Une obligation de survie, justement. Tiens, une réponse, ça c'est la réponse un peu technique et la réponse, mais voyons les choses d'une manière un petit peu plus pratique. Mohamed, si tu permets, je pense qu'il y a un site web, je ne sais pas s'il va s'afficher. Oui. D'une seconde, pourquoi mener cette transformation digitale? Vous qui au quotidien, ben, vous côtoyez des étudiants, cette génération Y, Z, on parle même de génération, donc aujourd'hui c'est une génération qui s'est transformé, qui a fait sa transformation digitale. Tout à fait, Wassim. Je rejoins Sarah dans tout ce qu'il vient de dire, puisque nous, on vient en fait juste avant. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de préparer les cadres de demain, les ingénieurs de demain, les collaborateurs de demain. Et donc, ils sont déjà, d'une part, c'est des digital natives, donc ils sont déjà prédisposés. Et ils vont travailler dans des entreprises qui se transforment aujourd'hui. Donc, en tant qu'université, nous sommes proactifs et nous souhaitons vraiment éduquer cette culture digitale avec ou chez nos étudiants. Je voulais partir de ce site web qui est très intéressant. Vous avez aussi l'adresse du site, Internet. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est très intéressant, vous pouvez y accéder. Donc ce qu'on voit ici, c'est en temps réel le nombre d'utilisateurs connectés sur Internet ou le nombre d'utilisateurs qui existent dans le monde, dans la planète. Aujourd'hui, on est à 3 milliards 800 millions d'utilisateurs qui ont accès à Internet. Donc c'est pratiquement la moitié de la planète qui est connectée. Nous voyons le nombre de sites, le nombre d'emails échangés, on ne va pas trop s'attarder, mais le chiffre qui retient mon attention, c'est les 3 milliards 800 millions qui, il y a 10 ans, étaient de 900 millions. Donc il y a une accélération, il y a une évolution rapide des personnes qui se connectent, qui ont accès à l'information, qui ont accès à la data, qui se connectent à Internet de façon incroyable. Si on peut voir le slide sur les statistiques de la Tunisie, s'il vous plaît, toujours sur le même site. Si on peut voir le tableau. Pareil, en Tunisie, on a assisté à une évolution rapide, une croissance. Si je compare 2005 à 2016, en 2005, on était à 900 000 utilisateurs Internet et aujourd'hui, nous sommes à 5,5 millions d'utilisateurs. Je pense qu'on a dépassé les 6 millions aujourd'hui. Donc ça, c'est juste pour dire que aujourd'hui, un nombre important de la population est connecté. Là, je pense qu'on a un taux de pénétration de 48%. Ça voudrait dire que 48% de vos prospects, de vos clients, de vos collaborateurs, de vos futurs collaborateurs, de vos partenaires sont connectés. Donc le digital, il est partout. L'entreprise, elle est face à trois choix à ce stade-là, à ce niveau-là. Soit, le choix le plus simple,
ne rien faire, dire que oui, c'est intéressant, et on passe. Soit il y a des entreprises qui le font encore, malheureusement, soit qui se coupent complètement du digital, donc qui coupent même les accès aux collaborateurs pour ne pas accéder. Ils pensent en réalité que c'est une baisse de productivité. Et le troisième choix, c'est de se dire, on veut être dans cette dynamique, on veut se transformer. Et la transformation, comme a dit Sarah tout à l'heure, ce n'est pas une application mobile, ce n'est pas un site web, ce n'est pas une page Facebook, ou communiquer de façon digitale avec nos clients, avec nos prospects, et nous, en tout cas, ce qui nous concerne, avec nos étudiants. Mais c'est une transformation de toute l'entreprise. Justement, je rebondis, Sarah Hanesh, quels sont les enjeux de cette transformation digitale aujourd'hui pour une entreprise? Et on sait qu'il y a pas mal d'entreprises présentes ce matin avec nous. Tout à fait. Alors, la transformation digitale, elle impacte l'entreprise dans tout son processus de création de valeur. Le processus de création de valeur, il est soumis à l'interaction de plusieurs forces. La première force, la plus connue, c'est la force de la concurrence dans le secteur de l'entreprise, là où elle opère. Il y a également la force qui vient du pouvoir de négociation de ses propres clients. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, beaucoup de clients y sont connectés. On assiste à un phénomène qui s'appelle le REPO, Research Online, Purchase Offline. Donc, même pour les achats industriels, même pour les achats d'entreprises, les entreprises, les acheteurs aujourd'hui, ils vont sur Internet, ils cherchent les informations, ils comparent les prix. Par la suite, ils consultent les entreprises physiquement. Donc, il y a également le pouvoir de négociation des fournisseurs. Il y a la menace qui vient des nouveaux entrants dans le secteur. Et là, là où le bât blesse, si on reste avec nos process traditionnels et qu'il viendrait sur notre segment de marché des opérateurs qui, eux, maîtrisent la donnée, qui, eux, maîtrisent le comportement du client, qui, eux, maîtrisent les technologies de disruption et proposent donc une nouvelle façon de servir ce client, de comprendre donc ses attentes, de mieux le servir et mieux le satisfaire. Et bien, l'entreprise qui ne se digitalise pas, elle va perdre en avantage concurrentiel. Mais également, la menace qui viendrait des produits de substitution de l'entreprise elle-même. Regardons ce qui s'est passé, par exemple, dans l'industrie de la musique. À partir du moment où le format MP3 a été adopté comme un standard de marché, il y a eu toute une disruption dans l'industrie de production de disques, de production de CD, etc. Donc, tout cet impact sur la chaîne de valeur, il fait en sorte à ce que l'entreprise doit regarder, certes, sa gestion avec sa gestion de la relation client, qui, à mon avis, est la partie apparente de l'iceberg. Il ne suffit pas d'avoir un site web, il ne suffit pas d'avoir une page Facebook, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. C'est important de le faire. C'est important pour aller capter de nouveaux clients, pour leur parler le nouveau discours qu'ils comprennent, en fait. Si avec la génération Y, la génération Z, des générations connectées, digital native, donc il faut leur parler le langage qu'ils comprennent. Mais aussi, regarder... ces processus, innover ces processus, et là, donc l'entreprise, elle doit se remettre un petit peu en question, et doit faire ce qu'on appellerait un audit de transformation digitale, un diagnostic de transformation digitale pour comprendre où sont les gisements de transformation digitale dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut digitaliser? Quel serait l'impact sur la structure de l'entreprise? Sur les ressources humaines? On ne peut pas parler de transformation digitale sans considérer... Justement, qu'est-ce que doit considérer, quelle considération justement aujourd'hui pour l'entreprise pour mener cette transformation digitale? Et je vais rebondir avec la même question en bas. Justement, donc, il faut considérer ces processus, ces ressources humaines, donc faire en sorte à ce que le projet de transformation digitale apporte de la valeur à ces utilisateurs-là, donc également considérer son leadership, sa manière de gérer, ses modes opératoires, donc considérer le leadership, ça aussi revient à définir une vision de transformation digitale, un comité qui va faire ce qu'on appelle la gouvernance de cette transformation digitale. Et faire en sorte à ce que j'ai adopté toute cette culture agile, changer ses modes opératoires, insuffler beaucoup plus d'esprit collaboratif dans les équipes, casser les silos dans l'organisation, de telle sorte à ce que
l'entreprise adopte un nouveau mode de collaboration qui soit transversal mais aussi innovant, avec des nouvelles technologies, avec donc un nouveau mindset, aussi accepter l'échec. Donc quand on est inscrit dans une démarche de transformation digitale, on est inscrit dans un process de test and learn. Donc on tolère l'échec et on doit aussi donc refaire le travail, être dans un process de culture agile, de lean startup, donc changer complètement la façon comment on travaille. Ceci implique bien évidemment l'organisation, la culture de l'entreprise, l'acculturation digitale des ressources humaines aussi à l'entreprise. Aujourd'hui, on regarde dans certaines entreprises qu'il y a un gap même au niveau des utilisateurs. Il y a des personnes qui sont de la génération Y, des personnes qui sont des générations antérieures. Comment utiliser peut-être le reverse mentoring pour faire adhérer les récalcitrants à ces nouveaux outils, concevoir toute une stratégie de changement aussi pour réussir. Justement, Mohamed, c'est quelque chose à ajouter par rapport que ce soit les enjeux ou les considérations et puis rebondir sur la partie ressources humaines. Tout à fait. C'est votre rôle. Et je vais partir aussi, je vais aussi essayer de parler de notre expérience à l'Université Centrale. On va y revenir, on va parler expérience. D'accord. Mais si vous pouvez rebondir sur ça. La transformation digitale, je préfère l'appeler digitalisation de l'entreprise. Enfin, il y a une petite différence entre les deux, à mon avis. Ça concerne à la fois le collaborateur, ça concerne à la fois l'RH, donc du coup, ça concerne toutes les directions, direction à métier, les directions support, la relation avec le client ou avec le prospect, ou avec, dans notre cas, donc, l'étudiant et l'alumni. C'est une refonte, parfois, quand elle est vraiment globale, la transformation, c'est une refonte des processus, des procédés, effectivement. Il y a une grande part d'accompagnement de changement au changement, c'est du change management, du pur change management. On touche aux processus, on touche aux procédures, on revoit certaines activités, donc les gens doivent se former aux nouvelles activités. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure quand on va parler de notre expérience. Donc c'est pas juste la mise en place d'une couche applicative ou de nouveaux outils qui sont là pour nous faciliter notre quotidien. C'est bien plus que ça, c'est une vraie transformation de l'entreprise et un accompagnement est nécessaire. Des comités, des travaux de réflexion sont nécessaires pour identifier d'abord les besoins, les problématiques, comme le conférencier de tout à l'heure l'a précisé, mais aussi pour identifier les zones à risque ou les difficultés où il faut mettre un focus, où il faut accompagner les gens, où il faut faire un travail de fond avec les collaborateurs et aussi un travail de fond avec le RH. D'accord. Mohamed, je vais rebondir. Marhaba nawartouna ayashkoum, merci. Je vais revenir sur votre expérience. Ben, justement, Sarah, ben, comment mener tout ça? Comment mener cette transformation digitale? Je sais que c'est au cas par cas, mais comment faire? Exactement, c'est au cas par cas, comme vous venez de le dire, parce que chaque secteur d'activité, il est impacté différemment par la transformation digitale. D'accord. Si je prends par exemple l'exemple de l'assurance, le secteur de l'assurance, la transformation digitale dans le secteur de l'assurance, elle change complètement le business model. On passe de la couverture du risque à la prévention du risque. Et là, il y a tout un changement à faire. Donc c'est au cas par cas. Il faut, à mon avis, et personnellement je le recommande vivement pour les entreprises qui souhaitent s'y mettre mais qui ne savent pas par où commencer, de faire un audit de transformation digitale. Commencer, et la clé de voûte, c'est l'expérience client. Considérer ce client au cœur de toutes les initiatives qui doivent être faites, digitales et non digitales. Concevoir donc des plans pour toute la partie donc, innovation des processus métiers, en quoi les technologies vont aider à créer des processus zéro papier, des processus qui sont beaucoup plus rapides, qui sont automatisés, où il y a moins d'intervention humaine pour justement accélérer donc les délais et satisfaire au mieux le client, mais également observer le facteur humain par des plans de formation, par des plans de gestion de carrière, par aussi l'acculturation digitale, mais aussi instaurer la culture de bienveillance. En quoi ça veut dire instaurer la culture de bienveillance? C'est célébrer les succès.
commencer par des petits projets qui vont donc donner donc des quick wins et célébrer ces réussites pour justement encourager toute l'entreprise à aller dans cette démarche et aussi donc avoir bien entendu, et le chapeau de tout ça, c'est avoir cette vision, cette gouvernance donc du digital. Et à mon avis, c'est les axes qu'il faut considérer pour entamer une transformation réussie. Merci Sarah. Ben, on a un retour d'expérience justement. Mohamed, comment ça s'est fait l'Université Centrale? Ok. On dispose de combien de temps pour juste savoir sur quoi je vais essayer de mettre l'accent rapidement? Pour tout conclure, le call, tout le panel, même pas 5 minutes. D'accord. Je précise juste que l'Université Centrale est un groupe de 8 écoles. Donc 8 écoles, c'est 8 sociétés. Pour un effectif de 7000 étudiants, 350 collaborateurs, 1000 enseignants entre internes et experts techniques, enseignants universitaires qui interviennent de façon continue ou occasionnellement dans le cadre de nos enseignements. Donc tout ce bon monde est en train de se transformer aujourd'hui. On a démarré il y a un an, c'était une réflexion par rapport à, juste on s'est posé une question, comment on peut améliorer, optimiser, être plus performant, d'autant plus que nous avons une population de 7000 personnes qui sont quotidiennement dans nos sites. Nous avons 14 sites répartis à Tunis et répartis aussi en région. Comment, avec tout ce bon monde, essayer d'optimiser certains process, de fluidifier et surtout d'assurer notre métier qui est l'éducation et l'enseignement. Nous avons démarré d'abord avec la mise en place d'un ERP, d'un CRM, pour le suivi du cycle de vie de l'étudiant, pour la gestion des dossiers d'admission, des inscriptions, du suivi de la scolarité des étudiants, des apprenants. Et par la suite, c'est venu en deuxième temps, l'application métier. Aujourd'hui, il y a une certaine interaction, il y a un flux de données qui commence à se créer, des données qu'on est en train d'analyser, de traiter, pour estimer, pour avoir une idée exacte, la plus exacte possible, sur la fréquentation des étudiants dans les écoles. Oui, sur... Je termine rapidement. Pour dire que c'est un projet qui dure 2-3 ans, la transformation digitale. Oui, il y a un audit, oui, il y a un schéma directeur, il y a des priorités, il faut commencer par des quick wins, tout à fait, et féliciter et... Je ne peux pas deviner, Mohamed. Et célébrer les succès, c'est très important pour l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le projet de transformation digitale. Merci Mohamed Badri. Simple question, mais compliquée pour terminer. Et si l'entreprise ne le fait pas? Parce qu'il y en a qui, c'est tellement évident aujourd'hui, mais il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Bah, c'est se couper de son monde extérieur. Hein. Et on ne peut pas continuer, c'est un enjeu de pérennité dans ce cas. C'est vrai, c'est un enjeu de pérennité. Donc l'entreprise qui ne s'y met pas ou qui ne le considère pas, elle va se couper de son environnement extérieur. Elle va se couper, elle va se courir le risque de ne plus exister sur son marché et donc, ou bien d'être assimilée par d'autres acteurs qui sont donc beaucoup plus pertinents en regardant aujourd'hui les GAFA et leur pouvoir donc en matière d'utilisation des données clients, de proposition, de segmentation fine des clients, de faire des propositions de valeur extrêmement pertinentes et extrêmement donc intéressantes pour les clients. Donc non, c'est une erreur que de ne pas considérer la transformation digitale. Il ne faut pas avoir peur de ce projet. It's a journey. Ce n'est pas un projet sur un mois ou sur deux mois ou sur trois mois. Non, ça prend du temps. C'est un projet qui vise aussi à changer le mindset du management, du leadership, des collaborateurs. Et donc, il y a tout un travail à faire sur tous les plans, sur le plan technologique, sur le plan processus, sur le plan culture, sur le plan organisationnel, etc. Merci, Sarah Hanechi, CEO de Digitalize. Merci à vous, Mohamed Badri, donc, l'Université Centrale. Merci.